Bonjour, bande de psychopathes, ici Merlin Boss pour le 8e épisode de Don't Starve Shipwrecked. Dans l'épisode précédent, on a pu trouver notre trésor sur cette île, qui était assez intéressante. Bon, pas autant que la précédente où on était allé, hein, c'est clair. Cette île remplie d'or et plein de trucs, bah, qu'on a découvert du coup, ouais, on a découvert cette zone remplie, bourrée d'or. C'est plutôt génial. Et du coup, on a trouvé quelques conserves assez intéressantes. Ah, faudrait que je désactive ça. Et on est parti vers le prochain trésor parce que YOLO, hein. J'hésitais à rentrer à ma base, mais bon. Ah ouais, notre bateau est quand même un petit peu endommagé. Il faudrait éviter de prendre les vagues, même si ça me rend plus... Ça me permet d'accélérer un peu. Mais bon. Oh tiens, c'est nouveau ça. Bon, et on a trouvé une autre zone à marée basse. Une nouvelle île. Est-ce que j'ai envie de l'explorer celle-là? Je commence à me lasser un peu de l'exploration des îles, je dois l'avouer. Ce que je veux, c'est les trésors. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, pas cool. Pas cool du tout. Je viens de voir le poisson qui est sur la miniature. Apparemment, je vais rester au niveau de la côte, hein. C'est mieux. c'est mieux. J'ai pas l'impression que je puisse attaquer. Ouais. C'était un peu flippant, ça. Bon, ça va. On a pu y échapper, heureusement. Heureusement que c'est pas arrivé la nuit. Ça aurait été assez abusé. J'aurais pas compris ce qui m'attaquait, t'sais. Cette île a l'air très petite, hein. Du coup, je pense que je vais limite regarder s'il y a un truc au milieu. Ouais. Ouais. On va faire ça. Ouais, c'est ça, rien, quoi. C'est une toute petite île. En plus, il n'y a rien dessus à part des arbres et de l'or. Bon. Ah, nouvel item, peut-être. Ah non, c'est un regular jungle tree. Vachement regular, hein. On a trouvé une berry. Des araignées, bon, pourquoi pas. Ça serait bien que je coupe un peu d'or. Wow. Que je coupe un peu d'or, mais qu'est-ce que je raconte? Okay. J'entends des serpents, donc c'est pas une bonne idée. Je sais, j'ai besoin de bois. J'ai même pas vu ce berry bush, décidément. J'ai des hallucinations, c'est cool. Bah. Du coup, vous savez quoi? J'ai ouvert une conserve. Fish steak, on va voir. 61 de vie, je passe à... 81, oui, effectivement, ça me donne bien 20 de vie, c'est génial ça. Je peux les utiliser pour récupérer de la vie, c'est super. C'est super. Du coup, continuons vers notre île. Au trésor, encore. Bon. Alors, du coup, encore la haute mer. C'est parti. Faire attention à ces poissons, hein. Je me demande s'il y a des requins du coup maintenant. Ça m'inquiète un peu, c'est clair. Wow, doucement. Doucement. Oula, c'est moi ou c'est de la très haute mer ça? Je pense pas avoir vu ça encore. Quoique, je sais pas. Bon, on va pas rester longtemps dedans de toute façon. Ah, c'est un poisson chat ça. Ça va, j'esquive bien les vagues depuis tout à l'heure. On va pas tarder à arriver sur notre nouvelle île au trésor. Ouais. Et en plus, c'est juste à côté de la côte, le trésor, donc c'est très bien. Oula, je... Moi, ce poisson est méchant. Je sais pas. Non, bref. Bref. Où est-il? What? Bah, il est juste là. À côté d'une... Oh! On a trouvé des buffalos aquatiques qui génèrent de la poupe aussi. Et je peux pas... je peux pas aller dans l'eau. Non, qu'est-ce que... Putain, ils ont piqué de l'or, sérieusement, quoi. Ah ouais, les mecs, vous êtes chaud. Par contre, casse-toi, s'il te plaît. je vais l'éloigner à la main. J'ai pas envie qu'ils bouffent mon trésor, quoi, ce serait abusé. Je sais pas si c'est possible.
Bon, je pense que ça va virer ma cheval, ça. Nice. Ah ah, je t'ai eu. Bon. Ça va, tu peux pas piquer le coffre lui-même, heureusement, ce serait abusé. Qu'est-ce que c'est que ça? Six trappes. Ah ouais, bah du coup, ouais, je vois ce que ça peut être. Bot Lantern. Bon bah cool. Une nouvelle Bot Lantern, gratuite, parfait. Des doubloons. Pour pouvoir les convertir en or. Des Red Gems, c'est cool ça. C'est quoi, je vais rebouffer une conserve. Hop, ça me redonne de la vie et de la hunger. Ça va me permettre de prendre d'autres trucs. Est-ce que je peux manger autre chose? Est-ce que je peux me débarrasser d'autre chose? Je vais laisser la même petite bottle ici, j'en ai pas trop besoin. On va garder la citra, voilà. Du coup. Pas trop ce que j'ai envie de faire. J'ai absolument pas confiance en ces singes, en plus ils me suivent, c'est flippant. Je me demande s'ils se transforment en singe garou en pleine lune. Ce serait abusé. Bon, du coup je vais revenir ici moi. Et je vais faire le tour pour voir comment se comportent les buffalos. Et choper un peu de poupe si possible. Bon, j'ai pas encore de place dans l'inventaire, mais ça ne saurait tarder. Et du coup, bah j'ai plus qu'un seul trésor et il est vachement loin, donc je vais pas aller là quoi, c'est mort. Je vais pas faire tout le tour de la map pour ça. Ce serait abusé. Donc bon. Bon, en espérant que ce biome soit safe. Putain, je n'en sais rien. Et du coup, j'ai une autre bot lantern. Je sais pas si elle est. Bot torch, bot lantern. Par contre, je sais pas si elle va marcher en fait. J'ai un petit doute. Donc, dans le doute, je préfère ne pas prendre de risque. Vous savez quoi, je vais faire un feu de camp. Voilà, c'est un peu con ce que je vais faire. Ah, je peux pas. Sérieux. Ah, dégage. Dépêche. Voilà, je vais faire ça. Je veux pas prendre de risque. Donc, bon. Mangrove. Comme ça, je reste à côté de la côte. Est-ce que je peux abattre cet arbre, un truc comme ça? Voilà, ça me donnerait quelque chose à faire. Ouais, je peux carrément le chop, ce truc. Nice. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de serpent à l'intérieur. Logs. Ah, c'est cool, on gagne des twigs en plus, grâce à ça. Non, je vais rester dans la lumière quand même, hein. Pas déconner. Ah, mais du coup, ça se passe bien, tout ça. Ça se passe bien. Bah, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je sais pas trop. Hein. Ah ouais, du coup, ils sont water, machin. Ils sont water, machin. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi j'ai plus que 3 de bois? J'en ai pas plus. Je sais pas. J'ai dû en utiliser... Ah oui, j'en avais besoin de 2 pour le campfire, donc bon. Il faudrait que j'en prenne un petit peu plus du bois. Alors... Bah, je vais pouvoir rebouffer une des conserves. Nice, j'ai regagné plein de vie, putain, j'en avais besoin parce que, waouh, tout à l'heure on était à 20 quoi, on a pu regagner 100 de vie durant les 2 derniers épisodes, ce qui est vachement cool. Oula, toi. Non, je surutilise la bolt torch. Si c'est ça, mais je préfère garder ces trucs là. Voilà. Et du coup, vous générez plein de poupes, c'est très bien. Bon, je vais pas les attaquer, surtout pas. Mais du coup, c'est quoi? Je sais même pas ce que... Attends, est-ce que je peux savoir ce que c'est si je... Un équipe... Ox, d'accord, c'est des ox. Nice. Du coup, qu'est-ce qui se passe si je mets ma bot lantern ici? Ah, mais effectivement, c'est une lanterne. Nice. Équipée avec des lucioles, c'est vraiment cool, ça. C'est vraiment cool. On va récupérer de la poupe. Ça peut toujours servir. Bon, on a nos cochons sur notre base, mais... Bon, toujours bien de les récupérer là. Moi, on sait où il y a des buffalos. Je vais peut-être... Enfin, des ox. Je vais peut-être éviter de trop m'approcher d'eux quand même. Je les connais pas, quoi. Bon, ça se trouve, ils peuvent être en chaleur comme les buffalos, donc c'est... C'est peut-être pas une bonne idée. Bon, du coup, on va récupérer un petit peu de bois ici. Dans ce biome qui a l'air relativement safe quand même. On est sans doute protégé par les ox, donc bon. N'hésitons pas. En plus, on récupère également des twigs, ce qui est plutôt cool. Notre bateau commence à être un peu usé. Faut pas oublier ça. Enfin, faut faire gaffe, quoi, disons. Putain,
notre santé mentale augmente. Bon, sans doute à cause de notre Garland qui va pas tarder à devoir refaire d'ailleurs. On va récupérer à nouveau quelques fleurs. Bon, du coup. Putain, vous allez carrément hors de ce biome quoi, genre. Bon, je récupère les poupes. Le plus de poupes possible, on va pouvoir faire des fermes chez nous. Bon. J'ai bouffé tous les seeds parce que j'avais plus de place, mais bon, c'est pas très grave. Les ox. Encore des poupes. Bon, j'espère qu'il va pas y avoir d'hiver maintenant, un truc comme ça. Enfin, on sait jamais, hein. Attends. Ça se trouve, ça va être la mousson, une connerie comme ça. Le jeu en serait capable, hein. Il va y avoir des vagues de malades, on va plus pouvoir traverser la mer. Ouais, c'est... Faudrait pas que je me fasse piéger aussi loin de ma base. Bon, car je peux très bien en rétablir une, mais bon, je vais éviter de faire ça sur l'île des araignées ou des trucs comme ça, voilà. Ça... Chez moi, j'ai masse de bouffe. C'est un peu ce que je veux. Du coup, ouais, je pense que on va récupérer le plus de poupes possible, puis... Je vais retourner vers ma base. Après, on va faire notre science machine, notre alchimie machine, et commencer à faire d'autres trucs, si possible, voir ce qu'on peut améliorer, si on peut faire un meilleur bateau, si on peut faire de meilleurs trucs. Mais pour l'instant, ouais, pourquoi ne pas récupérer un peu de seaweed aussi, tant qu'on y est. Maintenant qu'on a un petit peu de place dans l'inventaire. Ça fait toujours du bien. Au moins, on aura réussi à regagner notre vie et ça c'est génial. Sinon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de sanglier. C'est pas très rassurant. Et à moyen qu'on retombe sur un poisson, une connerie comme ça, toi, tu vas rester loin de moi. C'est spécial. Oh ! Je me demande si les suspicious bubbles, c'est comme les traces qu'on avait. Dans le Don't Start normal qui nous menait à un gros sanglier ou un éléphant, voilà, un éléphant. Wow. Je sais pas ce qui se passe, si ces trucs nous suivent, je préfère éviter. What the fuck? Je vais rester loin, hein, c'est mieux. Oh, une bouteille à la mer, je la veux. Ah! Je crois que ça m'empoisonne, ces machins. Ok, pas cool. Bon. J'ai bouffé. Oh, c'est bon, ils sont barrés. Nice. Puis, c'était un peu flippant, je dois l'avouer. Alors, on a trouvé une nouvelle bouteille. Un nouveau trésor pas très loin, peut-être. Alors. Oh. Ok, je connais cette île. Je suis déjà allé dessus. C'est pas l'île où j'ai spawn? Tu vas pas me dire qu'il y avait un trésor sur l'île où j'ai spawn, quand même? Attends, je vais devoir remater mon premier épisode pour vérifier ça. Non, t'es pas sérieux là. Bon, ok, bah du coup on sait où aller. En même temps, notre base elle est où? Notre base est là, c'est pas très loin, donc ouais, on peut très bien faire un petit détour. On est où? On est là-haut. Apparemment, il y a une île juste à côté. Ouais, on va refaire le tour. Bon. Il est maintenant 22h. Merci Canadien. Et du coup bah, c'est assez marrant ce qui se passe. Non, comme d'habitude je vais éviter de... Ah, des berrybouches. Je vais éviter de rester sur des îles où il y a des serpents. La nuit, c'est pas une bonne idée. Bon. Et je vais surtout pas m'approcher des singes non plus. La lanterne, pour la remplir, on aura besoin de lucioles. Pour attraper des lucioles, il nous faut des spiderwebs. Il me semble qu'on a des araignées sur notre île. Il y a moyen que ce soit devenu un niveau 3 par contre depuis le temps, c'est dangereux ça. Ouais, je pense que je vais laisser cette île tranquille. Et on va revenir vers le sud. Donc maintenant je sais que, bon, je peux toujours activer ma lanterne, je sais qu'elle fonctionne. Ah, est-ce que j'ai envie de naviguer de nuit? C'est dangereux, quoi. C'est dangereux. J'ai pas envie de crever, quoi. Ce serait con. Mais bon.
Vous me connaissez pas. Ceux qui regardent le Let's Play de Don't Starve ne me connaissent peut-être pas encore. C'est vrai que j'ai tendance à faire pas mal de YOLO, hein. Ceux qui me connaissent grâce à Isaac le savent. Et c'est pas forcément du bon YOLO, c'est... Souvent je fais n'importe quoi. Bon. Oh, tiens, du silex. Ça fait un moment que j'en ai pas vu. C'est risqué, j'ai pas envie de m'aventurer ici. Mauvaise idée. Allez, reviens dans le boat. Activons la boat torche. S'il te plaît, merci. Ah tiens, décide. On va bien les choper, mais je sais pas quoi en faire. Vous savez quoi? Je vais manger ma dernière conserve. Oh oh. Oh 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 oh. Ne paniquons pas. Ouh, j'ai failli paniquer, ça aurait été... assez sale de mourir comme ça. J'ai failli paniquer. Bon. Et en plus, j'ai l'impression que la lanterne éclaire un peu plus. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Restons autour de l'île. Enfin, je sais pas si ça nous évite de nous faire attaquer par des trucs bizarres, mais bon. Et du coup, on aura le temps, sans doute, d'arriver au prochain trésor. Et ça, c'est pas mal. Deux trésors en une partie. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. J'entends les serpents, je vais éviter de m'approcher. De trop m'approcher, voilà. Bon, et du coup, on va se rediriger vers cette île. Attends, mais c'est pas là? Ouais, non, c'est par là. Ouais, du coup, je pense qu'on va longer de ce côté. On va faire ça comme ça. Un peu de seaweed. Parce que c'est débris, c'est bizarre. Bon. En plus, voilà, on arrive au jour 19, donc on verra bien s'il y a une histoire de changement de saison ou un truc dans le genre. J'espère qu'on va pas mourir instantanément. Ça a l'air vachement efficace ces lanternes, n'empêche. Hein. C'est plutôt cool. On soit tombé là-dessus. Bon, bah du coup, allez, c'est parti. Allons par là. Je sais pas si j'ai envie de m'aventurer en haute mer pour l'instant. Je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu. C'est pas très long de toute manière. Voir s'il n'y a pas des bouteilles, des trucs comme ça dans le coin. Une autre île, un truc dans le genre quoi. Ah, de la seaweed, parfait. Il y a toujours des trucs qui remontent à la surface, on sait pas d'où ça sort. Et c'est parti, on peut éteindre notre lanterne. Attends, il y a l'air d'avoir un truc par là. Bref. Prenons la dernière seaweed et retournons. Enfin, retournons. Allons vers le nouveau trésor. Et je sais pas, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose pour l'instant. Pas de modification, mais... Notre bateau commence à être un peu amoché, n'empêche, là. Hein. Faudrait en faire bientôt un autre. Non, c'est pas pour rien qu'on va rentrer à la base aussi. C'était un long périple, hein. Un long périple. Mais on va y arriver. À la haute, haute mer, attention. On sait jamais ce qu'il peut y avoir ici. Faudrait trouver un moyen de pouvoir attaquer sur un bateau aussi. Parce que... Wow! Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Umbrella, ouais, je prends... Summerfrest. Ouais, j'ai bouffé le seed. Voodoo Doll. Bon, je vais essayer les bouteilles là-dedans. On a des coconades, hein. Je sais que c'est des espèces de bombes. On va laisser là pour l'instant. Est-ce que ça reste sur la map, ça? Yep, cool. Cool, cool, cool. À moins, on perdra pas ce truc. Enfin, à moins qu'il soit emporté par les vagues, on sait jamais. Ah, et du coup, wow, des récifs de coraux, nice. Wow. Je sais toujours pas à quoi servent les coraux. On sait que c'est là, donc je pense qu'on reviendra ici. Ah ouais, il y a beaucoup de coraux pour le coup. Hein. On en avait trouvé un seul isolé tout à l'heure, mais là, assez violent. On va voir s'il y a d'autres trucs dans le coin, peut-être. Attention aux méduses, bien sûr. Y a-t-il une île dans le coin? Non, c'est pas vraiment le coin que j'ai envie d'explorer, mais bon. Oh, c'est une île. Avec plein de roches, c'est bien ça. C'est bon à savoir. C'est différent les magma piles que tout à l'heure. Ok, une nouvelle petite île avec des roches. J'ai pas l'impression qu'il y ait autant d'or que sur l'autre, c'est clair. D'accord, magma pile.
J'ai un peu peur de miner les magma pipes, mais vous savez quoi, on va le faire. En fait, j'ai peur qu'il y ait de la lave parce qu'il y a marqué magma. I can't dig it. Ah bon, bah c'est réglé. On peut pas les dig. Bon. Allez. Perdons pas de temps. Continuons. Faut qu'on atteigne notre dernier trésor. Ah, je me demande si c'est des morceaux de mon bateau, ça, en fait. C'est possible. Possible. Bon, du coup. Encore des coraux. Attention, méduse. Ah, mon bateau est en train de crever. Va falloir se bouger le cul un peu. Retrouver le trésor et revenir vite sur notre base. Je sais pas si on va pouvoir revenir sur la base dans ce niveau, dans cet épisode là. Mais on va sûrement. Oh, une bouteille, bon, elle est vide. J'en ai pas besoin. C'est pas une bonne idée ça. C'est pas une bonne idée vu ce qu'il nous reste. Ah tiens, une nouvelle île. C'est pas ce que je veux non plus, bordel. Je veux récupérer mon trésor. Ouais, ça. Ça leur sent pas ça. Des plantes. On aurait besoin des fleurs en plus. J'ai besoin de refaire une. Je sais pas quoi faire. J'ai de la seaweed, mais. C'est quoi hein. Tant qu'on y est, bouffons tout ce qui nous reste de bouffe. Je sais, c'est pas une bonne idée, mais. Ah, tiens, des patates. Bon, je peux pas les prendre. Décidément. Je me débarrasse d'autre chose, mais bon. Plein de fleurs ici, c'est parfait pour qu'on refasse notre chapeau. Hein. C'est idéal. Ah, je sais pas si on va avoir notre trésor. Il est pas très loin en plus. Mais bon. Bon, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Je peux refaire mon guirlande, bouffer les deux autres fleurs. Et maintenant, je peux prendre des patates, donc c'est parfait. Tout est calculé. Bon. Un peu de truc. Ah, il fait déjà. Il va bien faire nuit, sérieusement. Les mecs, quoi. Je m'en fous, je vais aller la nuit. Soyons fous. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Malfunctioning novelty ride. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me demande si c'est un truc du style un morceau de. Quelque chose. Non, même pas en plus. Si je peux le réparer ou. Non, je ne sais pas. Bon. Du coup, revenons vers notre bateau. Et tentons d'atteindre notre trésor avant la fin de la nuit. Allez, viens là. Et notre bateau est mal en point. Bordel, bon. Allez, on peut le faire. Je sais, il y a plein de patates ici, mais bon. C'est pas ce qu'on veut tout de suite. C'est bien les patates, mais nous, on veut un trésor. On veut notre trésor. Mais cette île est pas mal, faut s'en souvenir. Je suis sûr que les patates ont tendance à spawn sur ce genre d'île. Donc bon. Allez, 49. Pas tarder à activer notre lanterne. Et du coup, c'est tout droit, c'est par là. C'est quoi comme île? C'est encore une jungle, donc va falloir faire attention quand même. Oh, il y a de la haute mer. Attention, qu'il n'y ait pas encore des poissons bizarres. Ça se trouve, si on en trouve suffisamment, on va se faire attaquer par un gros truc. On va regretter du coup, mais bon, bref. Bon. Ça, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Attention à ne pas détruire notre bateau. Ce serait assez con. Et on n'aurait pas tardé à rentrer dans une zone à marée basse. Hop, par ici. Nice. On est safe maintenant. Enfin, je pense. Du coup, attention aux serpents. Ouais, je les entends.
Je les entends, je les entends. On va faire gaffe, vous savez quoi, je vais descendre quand même parce que je suis fou. Je vais faire un campfire normal. Et voici notre trésor. Ouais, vraiment, il y a des araignées qui se fightent contre des serpents. Ah, est-ce que j'ai envie de faire le con encore? J'ai pas envie de foutre le feu à la forêt, c'est pas une bonne idée. On a trouvé notre trésor. Oh là là, oh, 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 oh. Casse-toi. Casse-toi, merci. C'est pour ça que j'ai envie d'avoir mon bateau à proximité. Comme ça, s'il y a des soucis. Et vous savez quoi? Rien que pour bien vous troller et vous donner envie de regarder le prochain épisode, on va s'arrêter là. Je sais, je suis vicieux. Du coup, vous saurez ce que contient le nouveau... coffre au trésor, vu que je suppose qu'il y a des coffres partout. Hein. Dans le prochain épisode. Voilà. Je sais, tout ça pour ça. Et on est en hiver. Donc voilà, deux choses pour lesquelles on devra... Deux choses qu'on devra gérer dans le prochain épisode. Ça va être chaud. Bon, en tout cas, c'était Merla Boss pour le 8e épisode de Don't Starve Shipwrecked. Et on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine, tout le monde. Ouais. Je sais, c'est sale. Mais bon, vous connaîtrez la réponse dans le prochain épisode.